Avez-vous déjà vu un candidat de moins de 77 ans à la mairie de votre ville? Faut-il être riche, vieux et français pour être candidat aux élections municipales? Si tu as l'âge de voter, que tu as la citoyenneté européenne et que tu es inscrit sur les listes électorales de ta commune, tu peux te présenter. Pas de limite d'âge. Il te suffit de constituer une liste avec autant de candidats que de sièges à pourvoir au conseil municipal. Tu alternes homme-femme et tu la déposes en préfecture 2 mois avant le premier tour. Tu peux même le faire en ligne. Pour que chacun puisse participer à la démocratie et être candidat, l'État te rembourse tes affiches, bulletins de vote et frais d'affichage si tu dépasses 5% au premier tour. Pour les autres dépenses de ta campagne, si tu vis dans une commune de plus de 9000 habitants et que tu veux organiser des pique-niques, des concerts, des rencontres pour ta campagne, l'État rembourse près de la moitié des dépenses comme les tracts ou les t-shirts des militants. Elles doivent être consignées dans un compte de campagne et le plafond du montant des dépenses est calculé en fonction du nombre d'habitants. Tu ne peux pas organiser un festival géant à 3 millions d'euros pour convaincre les habitants de ta commune de voter pour toi. C'est simple et accessible à tous. C'est d'ailleurs le but pour que chacun puisse avoir accès au droit d'être élu. Alors, pourquoi pas toi ?